Alors, Fatema, aujourd'hui, on va apprendre à lire la lettre F. Alors, regarde, la lettre F en script, c'est celle-ci. En lettre bâton, voilà, pareil. Par contre, en attaché, elle est très différente. Regarde, une boucle en haut, une boucle en bas. Et la majuscule, c'est celle-ci. Donc là, attention parce que ces lettres sont vraiment très différentes. À part, regarde, celles-ci peuvent se ressembler. Donc, maintenant, on va essayer de lire des syllabes avec la lettre F. Donc, si tu as la lettre F qui fait F avec la lettre A, on lira FA. Si tu as la lettre F qui fait F avec la lettre I, tu liras FI. Si tu as la lettre F avec la lettre U, tu liras FU. Si tu as la lettre F qui fait F avec la lettre E, tu liras FE. Maintenant, si tu commences par la lettre O qui fait O avec un F qui fait F. Tu liras OFF. Si tu as un A qui fait A avec un F qui fait F, tu liras AFF. De la même manière, si tu as un I avec la lettre F qui fait F, tu liras IF. Et pour finir, si tu as la lettre U qui fait U avec la lettre F qui fait F, on lira UF. UF. On va essayer maintenant de lire des mots. Alors, regarde. Une. Et fée, une fée. Tu sais, c'est ce petit personnage magique qui vole. Maintenant, un, f, i, l, fil. Un fil pour faire de la couture. F, o, r. Si on les accroche ensemble, ça va faire fort, fort, il est fort, il est costaud, il a des muscles. Et pour finir, un, attention le L ne se lit pas, fils, fils, un fils, c'est le garçon d'un papa ou d'une maman, un fils. On va passer au mot suivant qui ont là deux syllabes. Le, f, o, fo, s, et c. Le fossé. Le fossé, c'est au bord de la route, un endroit où coulent les eaux de pluie. Le, s, o, so, a, fa, le sofa. Le sofa, c'est un canapé. Et pour finir, le r, a, ra, f, u, fu, le rafu. Le rafu, c'est quand il y a beaucoup de bruit. Allez,